Ici, moun yo kapab ray ou pou n'importe bagay. Donc fais très attention, prends en pile précaution. Hey, comment est-ce que vous allez bien? Je dis à moi, content de retrouver nous dans une nouvelle vidéo. Côté que moi pour le partager ensemble avec nous. Bagay qu'on doit connaître avant même qu'on décide de dire ou pour vivre en Haïti ou bien pour voyager en Haïti. Moi a fait vidéo ça parce que moi envie partager ensemble avec nous quelques expériences que moi même moi t'ai vécu. Moi pensais qu'il est utile quelques autres monde qui a regardé moi là, c'est pas pour me parler mal de Haïti. D'ailleurs nous tous haïtiens, moi c'est haïtien tout. Pas pour que raison pour me ta besoin parler mal de Haïti. Donc vidéo ça a fait spécialement pour tout le monde qui pour une raison bien pour l'autre t'es qu'à décider pour dire au quoi tourner vivre dans le pays. Donc c'est juste une vidéo informative. Quand regarder vidéo ça ou pour que j'aime abonner notre chaîne moi. Ou comment faire ça, ou cliquer dans la partie rouge en bas qui écrit s'abonner et ou entrer dans la grande famille Love Afo. À chaque fois que je mette une nouvelle vidéo, ou capable well et puis ou capable enjoy it. Donc, je ne vais pas être plus, je vais passer à la suite vidéo. Je vais partager ensemble avec nous 9 à 10 bagailles que réellement moi-même, moi t'as aimé connaître avant même que moi décide de vivre à Haïti. Bara mwen ta reme on lot moun dip avan men mwen toune la ka mwen. Men mwen bat men moun gide pou dip yo. Donk mwen pataje ansanm avèk nou. On peyi, on nasyon, on pep ap chanje de tan an tan. Moun yo ap chanje koutume, mi ap chanje fason yo viv. Donk sa ou te pase ki ta fèt 1 an 2 sla, 2 an 2 sla lot ap viv isit. Sou toune apre 2 an gen nou awè tout an pil bagaj chanje. Men pa koum ba di tout bagaj. Premye bagaj la se, kon bay pri. Mwen kapab di... Kon bay pri son bagay ki tre tre important si ou a viv an Haiti. Pense ke si ou al bachan de telefon sa la, li van 2 dola, yo pa perdi ou 20 dola. Se ou ki pou konen pou di 1 dola, e pi pou nan machan de, nan machan de pou nou domen nan 2 dola. Si ou bagay pou mwen mwen touve ki absurd, ki vreman difisil. Pense ke nan la vi gran moun mwen nan vi adult mwen, kote ke ma bachete, ma viv toutan achete, achete, depose... Et l'aime de tout le monde, je ne vais pas faire ça, alors que je vais vivre en Haïti, je ne vais pas vraiment pour dépenser ou bien prix acheter, etc. Je suis toujours accompagné de grands monde, donc on y a c'est moi qui vais prix pour tête moins et moi qui vais dépenser pour tête moins. Il vraiment paraît pour moi un bagage qui est bizarre. Les moi qui pour me bailler prix. Moi toujours peur parce que moi senti moi ca faire mon senti mal si ma prix qui trop bas. Pour ça tout moi toujours peur tout pour me acheter trop cher. Donc ou même si vous avez intention venir à Haïti apprendre comment pour bailler prix. Comment pour bailler prix, c'est un bagage qui très difficile même comme te expliquer comment pour bailler prix pas boy ici là. Mais si grand monde là qui font dans bailler prix, fait l'apprendre. Moi personnellement ça me fait moi observer qui gens moun yo bailler prix et puis moi essayer faire même genre tout. Moi toujours ouais couper prix en la moitié. Et puis, il y a tout petit crasse encore. Par exemple, si vous avez 100 dollars, vous descendez, vous dites 50 dollars, la moitié, et puis vous faites 45 ou bien 40. Vous avez dit, bon 40 ou bien bon 30, vous toujours allez plus bas que la moitié. Et le plus souvent, vous toujours achetez des choses plus bas que la moitié. Donc, c'est un système qui va vraiment fonctionner. Deuxième bagaille, moi, t'as aimé en mon dîm, avant même que moi décide pour vivre en Haïti, c'est que apprendre à serrer l'argent parce que l'économie n'est pas stable. Économie n'est pas stable dans le sens moi vivre ces jours-ci ou bien plus fort monde vivre tout. Économie n'est pas stable dans le sens parce que pile monde vivre dans dernier temps ça côté que ou doit arrêter ou 15 jours de manifestation pendant 15 jours ça ou pas travailler pendant 15 jours ça ou pas faire l'argent. Donc si pas de petit l'argent serré au côté pendant 15 jours ça ou pas réaliser rien ou mourir grand ou pas besoin manger pour manger. À moins que vous ayez une famille ou des amis qui sont capables de dépanner. Donc, les gens dépensent en Haïti, dépensent avec un pile réserve parce que les choses doivent changer à n'importe quel moment. En parlant même de l'argent, troisième point que je vais dire, c'est toujours que vous avez l'argent serré pour capable toujours dépanner tout à qui on voyage. Tomber malade en Haïti, c'est un gros tête cassée parce que lorsque tomber malade, ou pas vous côté pour aller. Il faut toujours que vous vous serrez. Si c'est à l'étranger, vous parti. Si c'est un homme qui a pour aller avant, il faut toujours que vous vous serrez. Ça, c'est un bon bagage à apprendre. Heureusement, moi, beaucoup j'aime tomber malade. Femme, beaucoup j'aime tomber malade. Mais ça arrive un petit peu allergique avec poussière.
et nous pas de cas jouer qui ça qu'elle gagne, nous t'obliger voyager avec l'autre côté pour nous connaître exactement qui ça l'allergie avec lui. Nous juste connaître le côté allergique, mais nous pas jamais découvrir à qui ça l'allergie jusqu'à ce que nous venons connaître avec poussière qu'elle est allergique. Et imagine tout le monde qui va ici qui est allergique avec poussière. Donc serrer l'argent et puis serrer l'argent. Quatrième bagage, moi apprendre pas boire ici là et que me t'arrêter mais un monde dit moi avant même que mais t'es choisi de retourner pas louer un gros caille, pas acheter un gros caille. On connaît ça pour être un petit genre absurde parce que tout le monde en Haïti les a construit caillou, il a toujours gagné un rêve pour gagner un gros caille, 5-6 pièces, 8 pièces, 9 pièces, 10 pièces, plusieurs cuisines. Mais de par d'expérience, moi qu'a conseillé pas courir gagner un gros caille si toutefois ou même ou t'as aimé vivre pour contour avec famille ou sont pas obligés gagner un pile monde qui aider ou faire tout travail dans caille. Demi famille a des moyens pour payer un servante ici de la ligne, toujours préférer louer un louer. Il toujours préféré prendre service au monde pour capable aider. Donc c'est pour ça, il y a pas de problème là, il y a gros caille, mais ils sont monde qui pas gain intention pour capable prendre un monde pour aider, là faut souffrir en pile, là difficile pour en pile. Donc il préférable que ou gain un petit caille côté que on peut nettoyer bien vite ou qu'on prend soin bien vite côté pas besoin pile espace. Donc c'est ça que j'aime vraiment connaître avant que je retourne en Haïti. Cinquième point qui est important, c'est que c'est où capable de prendre ensemble avec Mounio. Ici, Mounio est capable de prendre pour n'importe quoi. L'homme dit n'importe quoi, je vais bien parler de n'importe quoi. Juste parce que ou on dit j'ai plus clair passé, ou parce que ou son princesse, ou parce que ou plus important. Juste parce que ou fait plus de goût de passé. Ou passe ou pi riche passe et puis ou rayou et puis s'entende ya ou nan problème. Donc fait très attention, prend en pile précaution et puis pas exhiber en yen. Bon, tout bon nous deux points dans yon. Pas exhiber en yen, c'est un bagay qui important. Ça m'était toujours connu parce que m'était toujours humilde, m'était toujours humble. Mais li vin plus renforcé dans moi, m'en vin plus comprendre li lè que m'en tourne vivre en Haïti. Donc ce sont moun qui choisit pour vin soit en vacances ou bien soit vin vivre ou bien whatever venir visiter, pas exhiber trop bagaille, pas exhiber surtout si dans ville ou aller à son grande ville tant pour au Cap Jérémy, non au Cap Port-au-Prince, au Cap Saint-Marc, Gonaïves. Fais attention parce que plus vous exhiber et plus vous faire moun yo connaît que là et plus yo gen envie pour capable venir attaquer. Fais très attention. Sixième bagage moi carré mais qu'on les que moi t'ai tourné vivre ici là, c'est que moun yo pa gen notion temps et ou walwe ou ba moun rendez-vous à 5h et puis la vini à 7h et puis la saisi ou même ou te vini à 6h par exemple. La me dit oh, ou vini bonheur alors que rendez-vous c'était à 5h. Donc sou konnen ou poil ba moun rendez-vous et puis moun yo pa vini à l'heure. Non, moun yo pa jamais vini non rendez-vous à l'heure. Ou a toujours paraît bizarre et puis ça que là ou gen pou di oh, ou même c'est les blogueur et puis ou tant que c'est ou qui bizarre là alors que c'est pas les sans des rendez-vous. Même dans mariage on fait ça, même dans l'enterrement on fait ça. Donc surtout moi avec monsieur Afo son problème de toujours gagner surtout dans l'église ou bien dans whatever. Moun yo pas venir à l'heure, yo pas préparé. C'est comme ça tout monde fonctionner, yo pas venir à l'heure. Donc les choses se font pas que tu vivre dans l'autre pays ou bien si ou habiter discipliner la vie ou tant que son monde qui discipliné même si tu pas habitué vivre dans l'autre pays ou a toujours des problèmes ensemble avec eux, ou toujours un problème. Donc apprendre ça, mettre ça dans l'esprit ou moun yo pas venir à l'heure, juste relax ou bien faire moun k'ap di la avec ou yo apprendre respecter le qui c'est une stratégie que nous mêmes nous fait nous juste apprendre yo respecter le parce que si nous au mariage à 7h ou venir à 8h connaît que mariage a commencé à chanter sans qu'on pas là. Septième point que vous devez connaître, c'est que vous n'avez pas respecté les mangers. Oh, dans le sens où vous n'avez pas respecté les mangers, vous avez longtemps, vous avez dit moi-même, midi, on ne peut pas venir à la caillou, une heure, on ne peut pas venir à la caillou. Vous connaissez l'intervalle, ça c'est les manger. Et puis, vous ne pouvez pas venir à la caillou tout bon, 7h du matin, ce n'est pas facile pour jeunes gens qui viennent frapper devant la caillou. À moins que ce soit quelqu'un qui connaît ou partage un café ensemble avec lui, il n'y a pas bon problème. Mais actuellement, madame a dit que vous n'avez pas respecté les manger, vous encore. Tout midi, vous débarquez la caillou, tout
Parce que les gens ont mangé n'importe l'air. Parce que longtemps, Haïti, les gens étaient stricts dans les manger. Midi, 1h, c'est l'air, tout le monde a mangé. Si tout le monde a l'école depuis 2h, 3h, tout le monde a mangé. Donc, c'était comme ça que l'élève de tout le monde. Mais actuellement, là, les gens sont venus à la CAO, toutes les. Donc, si vous êtes qui a vécu à Haïti, l'autre de tout le monde, et que vous venez partir bien, bah, on est dans tant longtemps, on est ici. Juste mettre ça dans l'esprit, les gens ne pas respecter les manger encore. Il n'y a pas respecté les manger, il vient la caille pour n'importe qui l'est. On a pris qui même un rapport avec bagaille ça que m'a rentré là-dedans. Il y a un pile famille côté que moun pas avisé les vienne la caille moun. Moun en dit paraît pour moi vienne la caille ou moi vienne faire 2 semaines. M'pas vivre ça moi-même mais que famille est consacré ou bien dans hôpital la caille des plop plop il frappe la caille ou comme moi la petite et la caille vienne la vienne manger ou bien la caille vienne la vienne dormir. Donc c'est des bagages qui vraiment existent que nous n'avons pas donc habité avec ça qu'on est que ou pas le ça ça va le niveau si toutefois ou sommes qui des problèmes avec ça essayez de discipliner nous et ici de là on a vraiment bagages qui vraiment nous là on avance soit vraiment faire mon cas ici puis on est débarqué là car il y a pas vraiment fait ça à moins qu'il y ait une urgence extrême mais par exemple là quand moi au cap les malais moi qu'on ouais mon est débarqué groupe puis on vient débarquer là car pas on joue là sous pas là 9e bagarre ou pas joindre pour habiter avec depuis qu'on y a c'est que moun yo passé des pour sauter dans pays étranger ou gen l'argent donc attendre à ce que yo mande l'argent yo mande tennis qui nan pio yo mande rad qui sou même si yo te déporto avec on celle là yo connaît yo par contre si yo déporto yo connaît juste vini y a mande yo quand même ou a tourner si ou voulez tourner si ou a tourner sans rien si yo déporto ou arrêter vivre sans rien donc comme ça depuis où vini tout ça pote gen pour rete yo gen pour mande parfum déodorant kilote soutien c'est tout si c'est États-Unis nous sorti peut-être sous saute dans pays tant qu'au pays comme ka dit Canada France Argentine pays ça côté que moun di en pile pays ça apprendre moun pou yo di pou yo faire économie yo connaît moun dans zone ça toujours di moi parler d'Argentine parce que yo pas mande rien moi-même mais des pour saute États-Unis prépare que yo pas mande en pile bagaille peut-être sous dans l'autre pays yo gen pas mande yo connaît moun dans pays ça aujourd'hui j'aime dire tout à l'heure donc yo pas mande tout ça posséder. Mieux pas se connaître si déodorant ou te gagne quelques glands dans la boue ou celui qui te ba ou yo besoin. Pas se connaître si c'est même déodorant ça l'autre tourner la pas ou c'est l'ou pas l'utiliser qui la plupart des monde qui vient en vacances c'est comme allié et même déodorant à utiliser ou mettre dans valise ou venir avec. M'pensé à moins que les monde a venir en vacances qui était tout ça gagne dans les cachets neuf. M'pas que monde qui fait ça qui vraiment fait ça. Dis-moi en commentaire nous connaît que monde qui fait bail ça. 10e et dernier point qui pour surprendre nous c'est que de monter nos bureaux, que ce soit l'État, que ce soit public, que ce soit privé, on va dépenser l'argent là-dedans. Depuis que papa parle français ou bien dans n'importe hôtel, yo gade au mal. Moi-même qui là, ça arrive. Les moi arrive en côté, moi gagne un appareil, yo me dit bonjour, comment est la madame, besoin faire bagaille. Moi-même pas l'école, moi dit tant pour me faire comprendre ça m'a dit. Yo répond gade mademoiselle, je peux vous aider bagaille. Madame Ndou, est-ce qu'on capable de me faire tel bagage? Papa, merci beaucoup. Et mais ok, tenez, bonne journée. Bon diable. Donc, il commence à me parler. Donc, il y a un gars mal, il y a un gars vraiment bizarre. Voir si je ne suis pas habillé pour tout comme vous petit, il y a pas ça au monde. Fou. Parce que dès que vous apportez dans le bureau, il faut que vous êtes dans le bouchon pour parler français. Si vous ne pouvez pas parler français, petit, allez chercher un cours français. Vous ne parlez français? Dis-moi comment est-ce que vous ne parlez français. Tout ça, vous m'avez voté pour que moi-même. Je vais apprendre. Plus de choses toujours, je vais faire des vidéos à trop long. Ou même dire des choses ou apprendre pendant que vous vivez en Haïti. Ou bien d'autres choses ou apprendre pendant que vous vivez en Haïti. Ou bien d'autres choses ou apprendre au jour le jour pendant que vous apprenez en Haïti. Parce que nous connaissons un pays, une nation, un peuple a changé de temps en temps. Nous avons changé de coutume, changé de façon de vivre. Donc, sortez pas ce qui t'a fait un an de cela, 2 ans de cela, l'autre a vécu ici. Surtout après 2 ans, on doit avoir tout un pile bagage changé, même pas pour pas dire tout bagage. Donc voilà, j'espère que enjoy li, pas oublier liker, partager et puis dim un petit commentaire, dim mon bagage, dim qui soit passé de vidéo ça et puis dim un point que moi oublié parce que grand pile moi capable oublier quelqu'un. Moi mais nous en pile, moi vraiment pile. Bisous pour nous, n'a pas encore dans l'autre vidéo. Bye. Hasta luego.